Dans cette classe de CE1, tous les élèves portent une blouse, comme le stipule le règlement de l'école privée Sainte-Jeanne d'Arc à Vénissieux. Et ce n'est pas forcément une contrainte pour les enfants. Si je mets une tache sur ma blouse, la tache elle peut pas se transpercer pour être sur mes nouveaux vêtements. Pour les enseignants, avec les blouses, les élèves ont l'air de former une équipe, même si certains parfois tentent de ne pas la porter en classe. Il y en a qui, des fois, ils oublient un petit peu volontairement, parce que des fois, ils ont envie de montrer un petit peu ce qu'ils ont en dessous. Quand les enfants portent une blouse, ils deviennent des élèves. C'est ce qu'affirme la directrice de l'école. C'était une manière d'être un peu tous ensemble et de se différencier par nos capacités à être gentils les uns avec les autres, à apprendre à l'école et pas uniquement parce qu'on a une belle robe avec des paillettes ou un joli t-shirt à la mode. Les parents d'élèves ont été convaincus par le port de la blouse obligatoire fabriquée en France. La blouse, nous on l'a achetée dès la petite section. Elle a fait toute la maternelle pour ma deuxième. Et c'est en train de faire la même chose sur son petit frère. Donc au final, 20 euros pour 3 ans, franchement, c'est pas un coût si énorme que ça. C'est dans ce petit coin de la Loire, à Neulise, que sont confectionnées les blouses des écoliers. La SARL Craft & Compagnie crée de A à Z des produits finis et travaille à façon pour d'autres sociétés, toujours avec grand soin. Que ça soit bien régulière, les coutures, les ourlets aussi, bien couper les fils, qu'elle soit bien fait nickel. Quoi. La gérante a repris l'atelier de confection il y a un an. Cette créatrice de blouses et tabliers surfe sur le boom des commandes. Le Made in France, il a vraiment le vent en poupe en fait. Il est vraiment en train de revenir sur le devant de la scène, ce qui est très bien. La fabrication locale, la consommation locale, avec le gage de qualité, c'est aussi économiquement plutôt intéressant, éthiquement aussi très bien, donc il faut y aller. Avec la blouse, pas de blouse. Les élèves ont l'air satisfaits, la blouse à l'école fait son grand retour, elle revient même à la mode.